Bonjour, alors aujourd'hui je suis allé voir un petit peu sur internet pourquoi les gens n'aimaient pas Renault. Donc il y a beaucoup de gens qui l'aiment, mais il y a beaucoup de gens qui ne l'aiment pas. Et je vais vous dire pourquoi après. Donc Renault, moi je le trouve super sympathique, souriant, j'aime sa façon d'être, en plus j'aime sa façon de dire, bah, c'est toujours comme ça que je l'ai chanté, je bloque les paroles Nagui, la preuve, bah, comme vous savez, donc j'en ai fait un t-shirt, mais je comprenais vraiment pas pourquoi les gens ne l'aimaient pas. Et après avoir lu énormément de tweets ou même de messages sur Facebook, bah, je me suis rendu compte que c'est pas parce qu'il était belge ou etc., c'est juste parce qu'il va battre sûrement le record de Kevin. Et Kevin, franchement, c'était. Je pense qu'il n'y a pas eu de candidats jusqu'à présent qui ont été autant admirés. C'est-à-dire que même Christian Quesada ou même Marie-Christine, bon, bah, les gens l'aimaient bien, mais il n'y avait pas autant d'engouement pour un candidat. Et puis, bah, je ne sais pas si vous vous rappelez, donc, bah, Kevin avait proposé comment dire, de verser une certaine somme à une candidate qui avait perdu parce que, bon, sa maman était dans le coma. Donc, bon, après, par la suite, la maman de cette personne s'était réveillée, mais bon, il avait quand même payé une partie du billet d'avion quand même pour la candidate. Ensuite, bah, si vous avez regardé mes autres vidéos, donc, comme il avait promis, donc avec une partie de ses gains, il a organisé un repas pour les sans-abri de San Francisco. Donc bon, voilà, donc c'est juste parce que bah, Kevin, c'est un chouchou. Donc voilà, c'est juste pour ça. Donc Renault n'est pas un mauvais candidat, etc. C'est juste parce que voilà, donc les gens préfèrent Kevin que Renault. Tout simplement à cause de son côté un petit peu plus humain, etc. Et si demain Renault reversait une partie de ses gains pour une association, eh bien les gens sont tellement malveillants qu'ils diront: ah oui, tiens, il va copier, il fait ça pour copier Kevin. Donc bah voilà, donc bah, je souhaite bonne chance, comment dire, à Renault. Et même s'il devient comment dire, numéro un, eh bien Kevin sera toujours numéro un dans le cœur des Français et dans beaucoup de ses fans. Voilà. Et puis bah, comme d'habitude, bah, nos t-shirts bah, pour les fans de Kevin ou de Renault. Allez, à bientôt, bye bye.